Ouh, on se croirait en discothèque. Oh, j'avais oublié ça. Oh, oh la vache. Et bonjour à tous, c'est Devil. Et on se retrouve aujourd'hui pour du Car Mechanic Simulator 2021. Ça fait un petit bout de temps que j'avais pas mis le nez là-dessus. J'ai eu envie d'y revenir. Aujourd'hui, je vous propose une voiture. Non, pas celle-là, c'est une épave. Hein. Le truc, c'est qu'on va se faire des petites enchères. On va essayer de la trouver ensemble. Je vous spoil pas. On va la chercher ensemble et la trouver ensemble. Alors, par contre, je sais pas si c'est un mod. Je sais pas si on va la trouver ici ou là. Je sais pas. On va fouiller un petit peu partout. On va foutre le nez partout. Y a pas. Oh! Alors, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là. Ah bah voilà, elle est ici. 800 000 ! La Batmobile, voilà, c'est bien ça, la Batmobile de Batman. Par contre, 800 000. J'avais lancé une partie tout à l'heure déjà pour voir si je l'avais eu. Et enfin, si je l'avais, pardon. Et je l'ai eu à 17 000. Le truc, c'est que là, 800 000, elle doit être en presque parfait état. Donc, j'ai pas trop envie. Le but est quand même qu'on la refasse de A à Z. Donc je vais prendre celle-là déjà. Enfin, on va regarder déjà. Oh la vache. On va regarder et je vais sûrement la prendre. 156 000 km. Putain, on a fait des courses celle-là. Les charges, ventes aux enchères, salon. Ok. Ok. Moi, ça va encore. On va partir pour celle-là. On va partir pour celle-là. Faire une offre. Je la veux. Pas trop cher. 22 000. 25 000. 28 000. Oh, et lâchez-la moi là. Donnez-la moi. 33 000. On a encore combien? 3. 2 dessus. 3 dessus. Allez, donnez-la moi. J'ai ce qu'il faut, hein. En argent. Mais il faudrait qu'il me la donne. On est plus que deux dessus. Ah non, on est encore trois. Bon, c'est qui, là, qui me la pique, là, à chaque fois, là? Et je surenchéris direct. Là, c'est... Il n'y a pas le temps d'attendre. 70 000. Mais c'est incroyable! Ah bah voilà, 76 000, elle est à nous. Elle est à nous, la belle Formule 1. Vous avez gagné. Recevoir la voiture. On va la mettre... On va la mettre au garage. On va la mettre au garage. Et je vais regarder ici s'il n'y a pas la Batmobile. Non, 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 non. Eh bah écoutez, on va en refaire une autre. Le but de cette vidéo est de faire la Batmobile. Chargement, n'éteignez pas votre PC. Mais bien sûr que non, on va pas l'éteindre le PC. Allez hop, on y retourne tout de suite. Concessionnaire. La petite musique qui nous ambiance. Oh, c'est pas ça, je me suis trompé. Oh. Oh, elle est belle, hein. Mais je me suis trompé, c'est pas concessionnaire. C'était pour voir si vous suiviez. Alors. S'il te plaît, merci. Vente aux enchères. Vente aux enchères. Non, non, toujours rien. La petite Pagani Zonda, magnifique. Oh, mais me dites pas que je vais pas l'avoir. Je l'ai eu deux fois, et là, je l'avais... Ah bah voilà, 812 000. Bon, au final, on va partir pour celle-là. Hein. Oh, 812 000, elle est dans un piteux état, par contre. Hein. Il y a l'air d'y avoir... Il y a le moteur. Il n'y a pas de batterie, apparemment. Pare-choc et tout, ouais, c'est... défoncé. Bah écoutez, on part pour celle-là. On va faire des enchères. Allez.
812 000. 1 million. Oh oh. M'arrêter. 1 million 4. Oh là 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 là. 1 million 7. Allez, 2 millions. Qui dit mieux? 2 millions. Attention, une fois. 2 millions 200 000. Allez. 2 millions 3, allez pour moi. Mais toujours pas, mais lâchez. Arrêtez. 2 millions 5. Et j'espère qu'à la revente, elle va coûter cher celle-là parce que... 2 millions 8. Et on va atteindre les 3 millions 5, c'est sûr. Ah non. 3 millions est à moi. Ok. Bon, 3 millions, bon, je peux. J'ai 48 millions. Mais quand même, 3 millions pour une caisse. Comment vous dire, ça pique un peu. Hein. Maintenant, on se casse. Ok. J'ai fait flamber la carte bancaire. On arrête. C'est fini les conneries. Où est ma voiture? Où est ma voiture? Je veux ma. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ah oui, ok, il manque des roues. Je peux même pas rouler avec pour l'essayer, quoi. Comment on rentre là-dedans? Porte avant gauche. Oh là là, mais c'est magnifique. Il n'y a pas de siège, on peut même pas s'asseoir. Si, il y a un siège, mais j'y ai pas accès. Je n'y ai pas accès. Carrosserie, cache moteur, module ABS, ok. Il n'y a pas de siège, on va mettre celui-là juste pour voir. Est-ce que. Est-ce qu'elle démarre? Que nenni. Que nenni. Elle ne démarre pas. Ok, donc c'est pas grave. On y va. Déplacer. Mince, c'est où déjà? Déplacer la voiture, on va la laver. petit lavage. Toi, oui. Allez, donne-moi une sublime voiture, s'il te plaît. Ok, elle était noire. Avec un petit peu d'or, magnifique, en tout cas. J'aime pas trop les effets, là. Je sais pas trop ce que c'est, mais... Non. Je suis pas fan. Et puis, bah, on va la mettre sur le pont, hein, et puis c'est parti. C'est parti pour le démontage complet du véhicule, toute la carrosserie. Ça. Là, il n'y a rien. C'est quoi ça? Banquette arrière. Ah oui! Ah oui! Pare-choc arrière. Ok. Et l'arrière gauche. Ah, car part 1. Ça, je sens qu'on va en chier à le remettre. Suspension. Ça me met suspension là. On verra. Est-ce que j'ai tout enlevé? La carrosserie, il reste banquette, cache moteur. Ok, ça pour l'instant, on s'en fout. C'était où déjà? Je suis perdu moi. C'était là. Carrosserie 2%, il reste un petit truc. Ah ah ah, non, boîte à air. Cache moteur, il est là. Parfait. Bah maintenant, bah c'est parti. On démonte tout ça. Allez hop. Alors je sais pas si je vous ferai un accéléré ou quoi. Vu que ça fait longtemps, et puis c'est la Batmobile quoi, c'est pas une voiture, voilà quoi, qu'on voit tous les jours. Hop, les petits cardans. Normalement j'ai un stock aussi de matos. Donc ça devrait le faire. Allez, on enlève ça. Le petit flasque. Et en tout cas, je pense qu'on va récupérer des pièces. Il y a des pièces qui sont pas en... qui sont pas détruites. On va voir. On va tenter d'en réparer quelques-unes, mais je veux pas trop m'attarder là. Oh, c'est quoi ça par contre là? Couper. Pourquoi je peux pas? Pourquoi t'es en rouge dessus? Je comprends pas là. Je ne comprends pas tout.
Hop, ensuite. Voiture électrique, quoi. Oh, mazette. Ici. Ici, on est bon. Ici, maintenant. Démonte-moi tout ça. Alors, je vois que le son il est un peu fort. Pourtant, il est à. Hop, ça, je vais baisser comme ça. Ça, je vais baisser comme ça. Voilà. C'est pas là que j'étais, c'est là. Voilà, ça m'a l'air déjà beaucoup mieux. Hop, ça, on enlève. Ça aussi. Petit roulement, petit moyeu. Par contre, pour les voitures électriques, j'ai pas trop trop de stock. On risque de faire les magasins ensemble. Après, on s'en fout, c'est quand même pour une batterie libre. J'ai envie de vous dire. Hop, la petite rotule. La petite piélette. Ça, suspension, ça dégage. Là, on est bien. Le filtre air, on l'enlève. L'autre filtre air aussi. Ça, il va falloir lever la voiture. Non, on peut le faire. Parfait. Disque de frein. Il n'y a même pas de... Ah, il manque un cardan ici. D'accord. Pourquoi pas. Par contre, 3 millions la caisse. J'espère que on va gagner un petit peu dessus, quoi. Parce que... Hein, batterie, deux batteries. Le type... Alors, on va le virer. Couverte de fusible aussi pendant qu'on est là. La petite suspension, on enlève la suspension avant la roue, on est des ouf. Hein. Hop là. Donc, l'étrier de frein. Petit cardan. Alors, j'espère que je vous ai manqué pendant tout ce temps. 8 mois. Enfin, du moins 8 mois sans streamer. Je crois que je regarde exactement combien de temps sans vidéo. Je crois que c'est 4 mois, je crois. Un truc comme ça. Ah oui, ça c'est vrai. Faut le vider avant. On va pas faire le con. Non, c'est pas ça. Ça c'est touche pas à sa petit con. Non, ça c'est touche pas à sa petit con aussi. Comment on fait déjà? Outils supplémentaires. Pipette. Allez, vidange-moi ça. Ok, donc là on est bon. Ça aussi en vidange. Ça aussi. Le petit lave-glace. Et aussi on va faire la vidange moteur. Ça on peut enlever. Le master vac on peut enlever. Le petit réservoir de lave-glace on peut enlever. Le module ABS pendant qu'on est là. Profitons-en. Hop là. La petite pompe ABS. Alors attendez, je crois que j'ai dit une grosse connerie. J'ai dit une énorme connerie, excusez-moi d'avance. C'est un moteur électrique, donc il n'y a pas d'huile. Il n'y a pas d'huile, mais de l'huile. Les petits câbles, je suis pas sûr, mais alors vraiment pas sûr d'en avoir. Ça, on démonte ça ici. Oh là là, ça, on va démonter ça dehors. Je vais monter la voiture. Déjà. Pour pouvoir démonter tout ça. Elle est moche, hein. Franchement, comme ça. Elle est moche. Ensuite, hop là, ici. Les pastilles and blocs maintenant. Le triangle entièrement. C'est le bloc, on verra par la suite. Hop, ça, ça s'en va là-bas. Tous les modules de batterie, il y en a 9. Ok, jusque là, ça va quoi. 9. Hop. Ah mince, non c'est bon.
petit produit magique. J'espère vraiment que la musique n'est pas trop forte. Sur mon retour, ça va. Bah on est bien. Je vais enlever le moteur. Tu vas démonter un moteur. Non, tu vas te déplacer déjà au point. On baisse la voiture. Voilà, j'ai fait une petite coupure, petite vérif. Au final, j'ai baissé un petit peu de son. On avait un petit peu de mal à m'entendre. J'espère que là, ça va être bon. Enfin. Non, je vais pas faire ça. On va pas faire ça. On va faire habitacle. On va faire retirer la banquette arrière. On va faire retirer le siège que j'avais mis. Et il n'y a pas de volant. Il n'y a pas de volant. Pourquoi pas. Ok. Tu m'enlèves. Alors, pour pouvoir utiliser le super moteur, vous devez d'abord déposer les pièces suivantes. Engrenage, bloc d'entraînement, essieu. C'est quoi tout ça? Engrenage, entraînement, bloc, essieu. C'est-à-dire compresseur, support, électrique, puissance, la boîte de vitesse, engrenage, compresseur, carter, boîte de vitesse, support, électronique de puissance. À mon avis, carter, boîtier arrière. Bon, on va enlever des trucs. On va enlever des trucs comme ça. On va démonter. Ok, on verra par la suite. Alors, est-ce que ce serait pas plutôt du côté de la boîte de vitesse? On va voir. Hop là. Il y en a des bulons. Il y en a beaucoup de bulons. Là on est bien. Arbre à cam. Ouais mais non, après on a accès au moteur donc. Ah si c'est ça, engrenage. Oh là, bah mazette. Mazette. Depuis le compartiment moteur. Logiquement, là c'est bon. Logiquement. Est-ce qu'on peut si la voiture est en haut? Non. Alors on va faire des erreurs. Ok, enfin je vais faire des erreurs. C'est sûr et certain. Ah non, pour couvrir un arbre à cam d'entrée de boîte de vitesse. D'accord. Carter. Non, 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 non. Ça. Ouais, c'est ça. Ok. Normalement, là, on est bon. Après, ça fait partie du moteur quand même. Boîte électronique de puissance. N'abusons pas, sinon je démonte tout. Ah voilà, là on est d'accord. Alors, on va faire rajouter un moteur. Non, pas celui-là. Celui-là. Oui. Et puis bah c'est parti pour le démontage. Petit produit. Hop. Ensuite. Là, là, il y en a peut-être un. Voilà, un aussi ici. Parfait. Oh bah s'il se démonte aussi vite que ça, eh, ça va être rapido ça. Le petit support. Je vais pas avoir toutes les pièces là, c'est sûr et certain. Oh les boulons qu'il y a là. Il y a beaucoup de bidons. Là, on est bien pour le moment. Petit boîtier arrière. Ok. Mais c'est long en plus, les vis, là. Hop. 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 Rotor. Oh, mazette. Le Sator. Rotor Sator. Ok. D'accord, c'est déjà démonté. Bon, bah, c'est rapido. 8 pages, mais, on va déjà aller voir le moteur. On va tenter d'économiser un peu, je suis pauvre. Hein. Non, c'était juste pour garder au moins le bloc moteur. Après ça, si. Pour éviter de faire les magasins, on fait un petit peu de réparation. Puis on a le temps, on est entre nous, on papote, quoi. Ouais ça si quand même.
La boîte de vitesse, ouais, compresseur, ouais, après tout ça c'est niveau moteur, on s'en fout, les batteries on s'en fout, je dois avoir, on va faire comme ça, on va faire rajouter un moteur, voilà, le SATER, non c'est un SATER, hein. Ouais c'est ça, le rotor, qu'on a pu récupérer, le boîtier arrière qu'on a pu récupérer, économie, moi je suis pas là pour faire dépenser de l'argent à Batman, tu vois, je suis... Non, moi je lui répare les pièces et... Gratos. Faudrait que je fasse un petit peu le mode histoire, j'ai pas du tout avancé dans le mode histoire. Honnêtement, j'ai juste fait le mode histoire pour avoir 2-3 sous, acheter des véhicules et les revendre, et puis bah voilà, pouvoir venir monter comme ça, les niveaux et l'argent comme ça. Sans faire le mode histoire, et pourtant le mode histoire est plaisant parce que je fais des conneries. Parce que faut trouver la panne, donc je trouve que c'est ça qui est intéressant. Magasin principal, on veut ça. Ah, c'est celui-là. Celui-là peut-être aussi. Rajouter des pièces, un petit support. Donc voilà, je disais, je vais continuer un petit peu le mode histoire de temps en temps. Et puis voilà, j'en ferai quelques vidéos. Des missions les plus intéressantes, bien sûr. Hein, pas une mission où il faut changer les pneus. Voilà quoi. Ah, ça c'est pas ici. Bah mince, c'est quoi? J'ai pas regardé ce que c'était aussi. Bah non, c'est dans l'électronique. Électronique, là. Hop, on en achète 5. Ça sera fait. Et là aussi. Hop là, rajouter le petit chargeur. 4 vis pour tenir tout ça. Autant pour celui-là. Les câbles j'ai pas, donc je vais noter celui-là, le cache, on l'a, parfait. Autrement, qu'est-ce qui pourrait me manquer, qu'est-ce que je ne pourrais pas avoir, là c'est dans le moteur après, là on verra ensuite. Alors ça va être où, ça va pas être dans, si ça va être là. Allez, 10, soyons fous, je fais flamber la carte bancaire. Hop, et celui-là aussi. Voilà. Ça va, mais les petits réflexes, ils commencent à revenir. Ça revient vite. Hein. C'est du car mechanical. Donc ça revient très vite. Le moteur est à 100%. Bah écoutez, c'est parfait, on va juste faire ça. Non, on va faire. David, tu fais le con là, c'est ici. Enlever le moteur, voilà. Juste faire. Hop, petit screen. Pour la miniature. Ajouter un moteur. Celui-là. J'ai pas vu, t'es à 100% ou pas. Moteur. J'ai pas vu le moteur fusible. Oh, j'ai pas vu. Je préfère regarder maintenant, revérifier une dernière fois parce que. Ajouter moteur, ouais, 100%, c'est bon. Et ben voilà. Si ça, on peut démonter tout ça là. Ça, c'est nul. Ça, c'est moche. Ça, c'est cassé. C'est. Bah, on enlève tout ça. Hop, le fusible. Le fusible. Encore des fusibles. Toujours des fusibles. Encore un fusible. Ceci, j'enlève. Normalement, il n'y a plus rien. Normalement. Non, c'est bon, il n'y a plus rien. Donc, on va remettre tout ça. Je dois avoir. Voilà, j'ai du neuf. Petit support, j'ai un neuf. Fusible, je dois avoir ce qu'il faut aussi. C'est bien ça. Quand c'est aussi simple que ça, là. Ne vous inquiétez pas, je ne ferai pas payer. C'est gratos. C'est pour Batman, quoi. Merde. Hop. Hop là.
Parfait. Le petit cache, j'en ai aussi. C'est parfait. Les batteries, j'en ai. Oh là 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 là, les stocks que j'ai. Ma zette. Réservoir, j'en ai aussi. On va faire le plein juste après. Le master vac, j'en ai. Réservoir lave-glace, j'en ai aussi. Filtre air. Filtre air, j'en ai. Il y en avait deux. Pompe ABS, j'en ai aussi. Module ABS. Parfait. Je crois qu'elle va être montée encore plus vite. Ça, je vais pas en avoir par contre. Je pense qu'elle va être montée plus vite que le démontage. Là, on est bien. Est-ce que je peux... Alors, je sais plus. Ouais, c'est ça, voilà. On va faire le plein maintenant. Allez, 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 allez. Encore, encore. Un glou, glou, glou. Hop là. Ici. C'est du Moture. Ouais, c'est ça, la marque Moture. Et ça, oh, j'ai pas eu le temps de voir. Ça, c'est quoi? Coulant. Oh la vache. Hop là. Donc là-dessus, on est bien. Niveau moteur, on est très bien. On est très très bien. Ça, je vais pouvoir le faire en dessous. Là, on est bon. On va la monter. Par contre, c'est moche. J'espère que je vais pouvoir l'enlever, hein, parce que... Ben, voilà, quoi. Hein, c'est pas trop mon délire. Engrenage. Accès depuis le compartiment moteur. Mais t'as décidé de... Hein? J'ai pas de batterie. J'ai pas de batterie. Après... On va en acheter maintenant. Plein. On va en acheter plein. Voilà. Hop. Hop là. Il en faut 9, il est gourmand quand même. Et la dernière. Ensuite, on va redescendre la voiture. Je vais juste faire, attendez, hop, un petit screen ici. Faire comme ça. Voilà. Oula, je tapais dans la souris, pardon. Le moteur. Le moteur. Là, ils vont me dire de redescendre, non? Ah, ok, d'accord. Là, voilà, j'en étais sûr. Pendant qu'on est là, bah, on va faire tout ça. Hein, on va pas faire que de monter, descendre à chaque fois. N'abusons pas. Ça, on peut. J'ai ce qu'il faut. J'ai ce qu'il faut. J'avais fait les stocks bah, en vidéo, je crois, avec vous, d'ailleurs. Roulement, j'ai, ok, parfait. Disque de frein, j'ai. Hop, plaquette, j'ai. Étrier, je vais avoir aussi. Impeccable. La roue, bah on l'a pas, forcément. On va la réparer. Hop. Ça, on le met. Le petit triangle. Le petit flasque. C'est ce côté-là qui avait pas de cardan, donc il va peut-être m'en manquer un, je pense. À moins que ce soit les mêmes. Oh si, j'en ai plein. Mais j'en ai plein. Mais j'en ai plein. Ok, là on est bon. Là on est bon. On va pouvoir lever la voiture pour l'arrière. On va faire l'avant avant. L'avant avant. Avant l'avant, faisons l'avant avant. Ah non, 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 non. Ça, j'ai plus de silent block. Magasin, s'il vous plaît, silent block tout de suite, il m'en faut des silent block. Je suis en QWERTY, je crois. Silent block.
Petit silent block. Non, silent block. Allez, dépêche-toi. 50, c'est le maximum. Voilà. Hop. Parfait. Là, on est bien pour l'instant. On fait pas trop le magasin, donc ça va. Ça doit pas être trop chiant pour vous. Petit roulement. Le disque. J'ai ce qu'il faut. Cardan, type A. Bah voilà, j'aurais mieux fait de me la fermer. Là. J'aurais mieux fait de me taire. Cardan. Donc j'avais les cardans pour l'arrière, mais pas pour l'avant. Ça, c'est con. Hop. Il va me falloir là. Hop. Après, on va pouvoir mettre la roue, logiquement. Voilà. Et l'autre côté, là-bas. On va la mettre avant la biellette. J'attendais pour mettre la rotule. J'attendais. Hop, le petit triangle. Ensuite. Disque de frein ventilé. C'est ce qu'il faut. Hop, le petit cardan. Ça, c'est cool. La jante, on va l'aller. On va. Je vais y arriver. 1, 2, 3, 4. On va aller réparer maintenant. Monter, démonter, démonter ça. Il va me falloir une. 355, 30, R24. Bah, ok, c'était les 4 mêmes. C'est les 4 mêmes. Étonnant. Bizarre que les roues arrière soient pas plus grosses que l'avant. Hop, inventaire, mon inventaire c'était où déjà? Entrepôt, c'est pour ça. Oh là, bah j'ai du stock, mazette. Il me faut une jante basique 01. La taille ça sera, mince, comment on fait déjà? Ah, c'est là, roue, voilà, c'est ça. Donc c'est celle-ci. Ajouter. Et les pneus, c'est ça, des sticks B345-35. Non, on était en 30, c'est cela. Ça, c'est la... C'est la... Mince, c'est la voiture que j'ai fait tout à l'heure. Je sais plus laquelle c'était. Ah, bah j'ai un trou. Oh, j'ai un vilain trou. Ok, je sais plus. En pneu, c'était... Je sais plus. Hop là, les jantes. On va prendre les jantes déjà. La taille, c'était 300. Ah oui, mais non, je peux peut-être les réparer. Attendez. On fait les trios en même temps. J'avais là... Nickel. Et j'en ai une autre, logiquement... Ah non, l'autre, elle est trop cassée. Ah non, elle est là. Ok, donc c'est bon. Alors. Il va me manquer une jante basique 24 pouces. Une 24 pouces, mais... Jante basique 24 pouces. Une 24 pouces. Déport, c'était 0. Acheter. Alors les pneus maintenant c'était ceux-là, 355, 30, 24. Ah, c'est les standards ou standard B? Standard. Mince, 355, 30... Et 24, voilà. Maintenant, monter ça avec ça.
J'aurais plus vu des pneus stick là-dessus, moi. Je pense que ça va faire bizarre. Ouais, je sais pas. Ça me paraît chelou. Ça va faire bizarre. Hop. Voilà. Monter le dernier pneu. Équilibrer celui-là. Hop là, ça c'est le dernier du coup. Ouais, c'était ça, ok. On est bon, donc maintenant. Bah allons-y quoi. Allons-y les amis. Hop là. Bzz, 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 bzz. Le pneu devant, à la roue de devant. Hop, et celui-là. Là, il ira plus vite que tout à l'heure. Tout à l'heure, il avait que 3 roues déjà. Après, on doit pas être trop mal. Je pense que. Hop, je sais qu'il y avait. Non, pas laisser une bloc, le triangle entier, s'il te plaît. Je pense qu'on doit pas être trop loin de la vérité. Est-ce que je vais réussir à le choper lui? Ouais. On va l'avoir fini bientôt, hein, je pense. Après, petite peinture. N'oublions pas la boîte de vitesse, il va pas aller bien loin sinon. Alors attendez, qu'est-ce que j'aurais pu oublier? La photo là me perturbe là, je peux pas réfléchir aussi. Qu'est-ce que j'aurais pu oublier? Je sais pas, normalement tout est bon. Hein. Normalement tout va être bon. Ah, les suspensions, merde. Oh le con. Bah oui. Bah oui, si je mets pas la suspension après avoir mis le triangle, mazette. La suspension. Les deux suspensions à l'avant. Aussi. Hop. Ah, les doubles triangulations, j'en ai plus. Mais je crois que j'ai du stock pour les faire. Là, c'était quoi? Alors, monter. Non, c'était pas une comme ça, c'était une simple comme ça. Hop, merci, tu m'en fais un autre s'il te plaît. Double triangulation simple. Et puis on va refaire une autre du coup pour le... Éventuellement pour la prochaine voiture. Hein. Je sais qu'on en aura besoin un jour ou l'autre. Ah ben, n'oublions pas. S'il vous plaît. La petite biellette. Oh là là, mais je fais n'importe quoi. J'ai oublié des pièces. Hein. Je vais oublier des pièces. L'arrière, tout est bon. Là, ça m'a l'air pas mal. Normalement, il n'y a plus que tout ce qui est carrosserie. Bon, la pièce, c'est bon, 100%. Donc, il n'y a plus que la carrosserie. Le châssis, je l'ai pas ressoudé. Et l'intérieur, et puis on est bon. On est bon. Ça, tu vas aller au pont 1. Passe-moi un petit coup. 24 000! Bah dis donc, ça a pas donné tout ça. Hein. Allez, retourne dans ta chambre. Bisous. Du coup, niveau châssis, on est bien. Carrosserie, intérieur. On va faire l'intérieur. Qu'est-ce que vous en pensez? Intérieur, démonté. Il n'y a pas le volant. Par contre, je trouve ça trop bizarre. Je trouve ça trop bizarre. On va noter ça, on va noter ça. On va l'acheter maintenant. Mince, on va l'acheter maintenant.
J'ai dit, s'il vous plaît, là. Magasin à l'intérieur. Ça, on a déjà acheté. Le siège. On n'en prend qu'un, hein, soyons fous. Et ça aussi. Hop. Et puis, bah, la carrosserie. Acheter toute la carrosserie pour cette sublime voiture qui va être normalement pièce du workshop ici, voilà. Alors, oh là là, L arrière droite. L arrière droite B. C. D. On va prendre... Ah, j'ai peur de tomber sur... Celle-là doit être bien par contre. Elle coûte beaucoup plus cher. On va l'acheter. On va juste regarder. C'est celle qui avait de base. Ah oui, mais c'est celle-là. Je suis pas trop fan. Hein. Je suis pas trop fan. Tant pis, elle va coûter beaucoup moins cher. Mais je préfère mettre un truc plus basique. Parce qu'en fait, pour la peinture, j'aimerais quand même la mettre en noir. Un noir quoi. Un beau noir. Oh mais ça c'est moche. Oh. Ça c'est moche. Allez, on achète tout ça. Bah, je pense qu'on va rester comme ça sur le basique. Hein. Je pense qu'on va rester sur celui-là. Parce qu'après sinon c'est le B. Voilà le B, mais pff, les pieds quoi, ça va. Non, je suis pas fan. On va rester sur le basique. Donc, alors, carrosserie normale. Celui-là. L avant gauche standard. L avant droite standard. Avant standard. Cache moteur. Cache moteur B. Cache moteur C. Quelle est la différence? Ah oui, là il y a le gros truc là qui est bien moche. Là c'est le basique. On va peut-être partir là-dessus par contre là. On va prendre les deux. Hein. On s'en fout. Car part 1, car part 2. Enfin non, 1B, 1C. Partir pour celui-là. Car part 2. On va le prendre au cas où. Je suis pas sûr de le mettre celui-là, mais on va le prendre au cas où. Le coffre. On va le mettre comme ça. On va le peindre en noir. Pare-choc arrière. Hop. Phare arrière droit. Un beau comme ça, là, on sait. Il est magnifique. Phare avant. Phare avant, phare avant. Celui-là. Porte avant gauche. Il y avait une porte avant gauche. Ah ouais, il n'y a qu'une porte en fait, et la vitre. Eh ben écoutez, on a tout. On a tout, on va mettre tout ça maintenant. Donc on a dit le standard. C'est celui-là. Le coffre, le pare-choc arrière. Celui-là, le coffre. Celui-là. Celui-là. Cache-moteur. Alors c'était celui-là, j'ai bien fait de reprendre celui-là du coup. Et ça, ça donne quoi? Ah, ça rajoute un gros mis... Oh! Eh ben, on va tenter ça. On va tenter ça, on va voir si ça fait bien ou pas. Sinon, je l'enlève. Il y a l'avant ici aussi. Les petits phares. Qu'on n'avait pas tout à l'heure, d'ailleurs. Je les avais pas vus. Et là, on doit pas être mal. Ah non, les phares arrière. On a repris exactement les mêmes. Et là, on doit être bien. Ah non, carrosserie 81%, mince. Pare-choc arrière, bah là, c'est mis. Les vitres, bien sûr. Les vitres bien sûr, mais encore. Ah, le carpart. 93%, il nous manque un truc.
Le problème du mode, c'est que, bah, en fait, on sait pas, ça peut être n'importe où. Ça peut être n'importe où. Ah, car part 2, il est là. Et il y en avait pas ici. Ok, là on est full. Parfait, plus que l'intérieur. On va faire ça à la peinture. La peinture, ici. Oh! Ok, je m'envole vers d'autres cieux. D'accord. Alors, la petite peinture. Ouais, non. On va partir au mat normal, enfin au noir normal, hein. Non, brillant. Allez, on peint tout ça. Et regardez-moi cette sublime voiture. Par contre, ça cloche ça là. Enfin, pour moi, j'aime pas trop ça. On va la mettre dehors. Ok. Mais qu'est-ce qui se passe? Merci les mods. Je m'envole et je m'enterre. J'aurais fait les deux en une seule vidéo. Là, franchement, c'est magique. L'intérieur rajouté. Le siège avant, la banquette arrière. Et maintenant, on voit si elle démarre. Attention. Alors, je sais pas si elle est démarrée ou pas. Conduire la voiture. Alors attendez, on a des petits circuits, pistes de course. C'est juste pour voir si elle démarre. Bah logiquement oui. Vu qu'on y va. Mais vu que c'est une électrique, du coup on a... On a aucun bruit. Alors est-ce que c'est toujours merdique à conduire? Oh, oh là, bah il faut du bordel par contre, hein. Ok, elle roule bien, elle roule vite, elle est magnifique, elle est toute propre. Ah bah voilà, ce fut une belle voiture. Elle est même pareille, regardez-moi ça, c'est magique. Combien elle coûte la voiture maintenant du coup, vu qu'elle est à 100% partout? J'ai pas fait le banc d'essai. Bon, après, c'est pas trop gênant. Ouais. 4,8 millions. J'ai acheté 3 millions. Bah, ça fait 1,8 million de bénéf. De toute façon, je vais pas la vendre. Je vais la garder. Voilà. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. À faire avec moi la petite Batmobile. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, de mettre un petit commentaire si vous voulez que je fasse une autre voiture, si vous voulez que je fasse un petit peu plus de vidéos. L'émission aussi, comme je vous ai dit, que j'ai jamais fait, je sais plus, ah si c'est là. Voilà, j'ai plein de missions à faire. La mission principale quand même reste celle-ci. On chercherait les pannes et tout ça ensemble. Réparer ou changer les pièces de carrosserie, donc ça d'accord, faire la vidange, ok. Peindre, et ça c'est autre tâche. On verra, dites-moi si vous voulez que je le fasse en vidéo. En tout cas, moi ça m'a plu de revenir sur ce jeu-là, ça me plaît de refaire des vidéos dessus. Je vous dis à la prochaine, c'était Devil, portez-vous bien, ciao.